On a choisi cet appartement-là car la vue y est plus que magnifique. P3 juste en face. Donc P3 là-bas, juste à côté P2 et puis là sur le côté P1. Dans le fond là-bas, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a la chaufferie qui est aux couleurs de la nature, la couleur de bord de Somme. Elle est intégrée dans le paysage qui colle assez à ce que on peut voir. Donc beaucoup de vert. Un parc juste en bas, donc la nature. Bon là c'est l'hiver, on a notre ami le gros arbre qui nous indique sur la direction du vent, tiens. Avec les conifères, là, le sapin. Magnifique sapin. Alors, il y avait un petit écureuil, je ne sais pas s'il y est toujours, mais il y avait effectivement un écureuil. Et ça reste vert tout le long de l'année. Ça me relaxe, ça me détend. C'est un atout majeur, la verdure, sur Étouvie. Là, dans le fond, on voit les coursives, ce bâtiment emblématique en forme de bateau. Faut pas qu'on laisse mourir ce bâtiment. Retour d'un supermarché directement dans les coursives, parce que on est les laissés pour compte, on va dire. 8000 habitants. Moi, je peux dire au moins, la vie est belle. Parce qu'aujourd'hui, il y a de sacrés nuages quand même. Mais c'est pas pour ça que l'appartement, ça va le rendre plus sombre. Ça le rend vraiment éclairé et un sacré tableau. J'y suis né. Je suis fier de ce quartier. Il est important de s'épauler les uns les autres. Sans barrière, sans. Voilà. Sans aucune arrière-pensée. Moi, je suis génération Black Blamber. Moi, j'y crois toujours. On va dire pour certains, ça paraît utopique. Mais c'est pas si utopique que ça. Ah, bah tiens, Georges qui vient de passer. Au P2. C'est vivant, hein. C'est un tableau vivant.